Les amis, rebonjour à tous. Bon, alors voilà, là je me dépêche vraiment de vous faire une petite vidéo très importante parce que je voulais justement vous poser les Ellipson XLS15 au sol, comme je vous l'avais dit, qu'on fasse le test avec les enceintes qui soient posées au ras du sol avec les pieds fournis par Ellipson. Donc je vous montre très rapidement. Voilà, tu vois là, je les ai posées. Donc vraiment, comme avec les pieds d'enceinte que moi j'avais fait. Donc là, tu vois, à défaut d'être donc posé sur les pieds, tu vois, normalement sur les pieds, c'est là-dessus qu'elles sont posées. Voilà. Et des différences notables au niveau de l'écoute sont vraiment sont assez audibles. J'ai envie de te dire, c'est vraiment ça s'identifie très vite à l'écoute. Donc là, tu vois, elles sont posées comme ça. Voilà. Alors. Donc en fait les gars, comme je vous dis, donc là tu vois, là le problème c'est qu'il est 18h. Il y a une petite femme qui est rentrée avec mon fiston Julian. Et ils m'ont. Du coup, je les ai pas mis à la porte, mais là ils sont dehors. Voilà, Julian il joue dehors avec ma femme pour que je puisse vraiment faire cette petite vidéo. Et voilà, mais tu vois, moi rien que ça me. Je me dis, mais comment tu peux en arriver là, quoi? Être obligé de mettre ta femme et ton fils. Enfin, je les mets pas dehors, tu vois. C'est ma femme qui m'a dit, ouais, bah, écoute, je vais aller dehors jouer avec Fiston. Et voilà, le temps que tu fasses ta vidéo. Et tu vois, moi, d'en arriver à ce point-là, mais je me dis, mais comment que c'est possible? Comment que c'est possible? Tu vois, franchement, ça me fout un somme de ouf. Parce que je me dis, c'est pas normal. Tu vois, là, je suis obligé de me speeder encore et tout, à faire une vidéo, vous faire cette vidéo-là. Parce que dans la semaine, j'aurai pas le temps et après, je dois rendre les enceintes. Mais franchement, je vous cache pas, les gars, que ça me rend ouf de devoir être toujours à la va-vite comme ça. Et ça, franchement, ça me gonfle. Ça me gonfle. Parce qu'en fait, je peux pas vous faire un truc carré. En fait, moi, déjà, là, ce que je vous fais, c'est de l'inédit. C'est de l'inédit parce que là, ce que je vous fais là, j'aurais pas pu le faire déjà en temps normal. Parce que je manque de temps, comme je vous l'ai dit. Là, j'ai très peu de temps devant moi. Et voilà, mais ça m'agace. En fait, franchement, les gars, je vous cache pas, c'est assez frustrant. Voilà, je vous le dis, c'est frustrant. Donc j'ai hâte que la vie échange et qu'il y ait une autre tournure dans la vie qui se présente à moi, que je puisse vraiment prendre le temps de faire les choses avec amour. Parce que là, déjà, même si j'y mets tout mon cœur, derrière, en fait, j'ai le temps. Le temps, ça vient en contresens et du coup, voilà, c'est voilà, franchement, c'est relou, c'est relou, c'est relou. C'est relou de ouf parce que j'aime pas faire les choses comme ça rapidement, tout ça. Mais bon, là, j'ai pas vraiment le choix. Parce qu'après, de toute façon, j'aurai plus d'autres occasions de vous faire des vidéos. Donc voilà, c'est comme ça. Donc là, en fait, je me remets dans le contexte parce que c'est vrai que je suis un petit peu agacé. Je me remets dans le contexte des enceintes à écouter dans cette situation in situ. Ce que je voulais vous dire, en fait. En même temps, j'ai eu un. Juste avant, j'avais eu un commentaire sur YouTube d'une personne qui me disait ouais Nico écoute en fait il est enchanté tu vois de voir ce que je fais de ma passion tout ça il est très très enjoué de me voir autant à fond là-dedans et il me dit mais comment que tu peux faire pour transmettre aussi bien la qualité de ton matériel de tous ces comparatifs au travers d'une écoute sur un téléphone portable. Donc que vous allez pouvoir voir sur une tablette ou sur un téléphone portable. C'est pour ça que je vous le dis toujours, mettez un casque quand vous faites les écoutes hi-fi. Voilà, quand vous écoutez la musique. Après, quand je parle, on s'en fout. Mais quand il y a de la musique, mettez un casque. Après, voilà, vous pouvez le reproduire même sur votre système hi-fi, vous aurez toujours un petit ressenti. Même si ce n'est pas forcément le ressenti ultime, vous aurez quand même un petit ressenti. Mais mettez un casque, voilà, pour pouvoir au moins apprécier les différences, voilà, parce que c'est pas forcément, c'est vrai que c'est pas forcément audible quand vous écoutez comme ça à travers un téléphone portable. Si vous êtes là en train de regarder la vidéo sur YouTube, en train de vous dire non mais il y a rien, il y a pas de différence, forcément ça n'a ni queue ni tête si vous n'écoutez pas avec un casque audio, voilà. Donc ça c'est une chose importante que je vous dis, voilà. Même si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, vous êtes là, tac, vous êtes là, vous regardez les vidéos. Et vous allez écouter ce que je vais dire, parce qu'il y a aussi ça qui est important, c'est que certes, il y a les écoutes qui vont découler des enceintes, mais derrière, mon ressenti. Et c'est vrai que derrière,
C'est ça le plus important, c'est le ressenti que moi je vais avoir finalement de l'écoute et vous distribuer cette, on va dire les émotions, que ce soit les émotions, que ce soit les ressentis d'écoute, quelles sont les qualités sur le coup que je vais quand je vais écouter la musique, qu'est-ce que tiens là tac j'ai décelé ceci cela et en fait je vous le dis direct. Voilà, donc ça c'est aussi important à prendre en compte. C'est-à-dire que moi, en fait, il y a le côté live, en fait, même si c'est pas un live retranscrit en direct, vous avez une écoute directe. Vous avez une écoute directe avec mon ressenti derrière. Et c'est aussi ce qui a fait la différence dans le temps, dans le sens que, voilà, quand je vous dis, ça sonne comme ça va sonner comme ça, et du coup, vous allez prendre en considération ce que je vais dire et ça va vous orienter vers vos choix d'enceinte et même sur plusieurs choix. Donc ça me fait plaisir et c'est ça qui m'interpelle dans le sens où que ça va pas être des vidéos qui vont servir à rien du tout. Voilà, mes vidéos, je pense qu'elles servent à tout le monde pour vraiment définir qu'est-ce qui va être le mieux adapté pour vous. Voilà. Après, en dehors du fait que là je teste des enceintes commerciales, mais c'est vrai quand je fais des vidéos de Hi-Fi avec des enceintes qui sont rares, qui sont pas communes. Bon, ça c'est plus un plaisir personnel, tu vois, pour moi en fait, et puis que je veux vous faire partager tout simplement. Mais là, quand on est dans des enceintes qui sont connues, voilà, les Ellipsons, elles sont pas vieilles, elles viennent de sortir il n'y a pas très longtemps, les XLS15, de même que les P24F, forcément là, mon ressenti, comme j'ai pu vous faire des comparatifs avec les Zeltax, avec les Magnat Transpulse 1500, qui sont des enceintes modernes, voilà, ça c'est des choses où là mon ressenti il va être fait mais à l'instant T et c'est ça qui va pouvoir peut-être vous orienter vers le meilleur choix à faire pour vous, voilà. Après voilà, vous en faites ce que vous en voulez, mais en tout cas je suis toujours heureux de pouvoir vous faire des vidéos de Hi-Fi, des comparatifs, des tests, voilà, même si j'ai pas le temps de faire tout ce que je veux, je vous dis je suis très frustré. Très frustré à cause de ça parce que je n'ai pas le temps et ça le fait de pas avoir le temps franchement c'est compliqué c'est dur que tu t'imagines que j'y mets tout mon cœur tout mon amour et qu'au final derrière j'ai que un tout petit peu de temps accordé à ça tu vois et que ce temps-là c'est un temps sacrifice pour beaucoup de choses que ce soit pour la famille pour le travail pour d'autres choses pour plein de choses voilà et voilà ça j'espère que je pense qu'à force maintenant vous commencez à le savoir que voilà, le temps, il est à chaque fois, je suis tout le temps en train de speeder, toujours être sur le qui-vive à devoir vous faire des vidéos. Alors que là, tu vois, franchement, moi, je vous dis, les gars, ce qui me dégoûte, c'est que là, Ellipson, ils m'ont prêté des enceintes qui valent 2 400 euros. 2 400 euros, j'ai même pas le temps d'en profiter. Je sais pas si tu vois le délire. J'ai pu faire que 2 vidéos depuis en 1 mois et demi, même presque 2 mois, puisque en fait, quand ils me les ont envoyées, j'avais reçu qu'une enceinte. Donc, j'ai pas pu faire les tests et tout d'écoute. Mais en fait, j'ai pas le temps de pouvoir. T'imagines, c'est comme si on te prête une Ferrari ou une Lamborghini et tu te dis, t'as pas le temps de les essayer, t'as pas le temps de faire les tests, tout ça parce que t'es au charbon, tu travailles, t'as la vie de famille, t'as tout ça à côté. Et en fait, t'as pas ce temps-là à t'octroyer pour ces choses-là, alors que c'est important, ça c'est très important. Pour moi, c'est important parce que là, on me les a prêté les enceintes et j'ai pas le temps de faire les tests. Et ça, j'avoue. C'est un petit peu abusé, franchement, c'est un petit peu abusé. Et bon, après, qu'est-ce que tu veux y faire? Dans la vie, il faut faire des choix. Soit je suis youtubeur, ou soit je suis livreur, je fais de la livraison, mon travail de livreur. Et voilà, mais voilà, moi, c'est la Hi-Fi. C'est la Hi-Fi. Moi, mon choix, il va vers la Hi-Fi. Après, j'espère vraiment pouvoir me consacrer à 2000% pour ça plus tard, parce que là, en fait, tout le temps que j'y consacre. En fait, j'ai l'impression que c'est pas visible, voilà. Et forcément, ça fait mal au cœur, ça fait mal au cœur. Donc voilà, les gars. Je voulais vous dire quoi d'autre? Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, pour le test des ellipsons, sachez que j'ai noté sur mon cahier le nombre d'heures qu'elles ont tourné chaque jour. C'est-à-dire que des fois, j'ai fait tourner pendant 7 heures d'affilée, tac, avec des playlists et machin, et j'ai tout noté sur un cahier pour justement de sorte à ce que l'on ait les 150 heures atteintes et que je vous posterai cette vidéo-là. Plus la première vidéo, parce que la première vidéo, je l'ai faite, je trouve que je la poste pas maintenant. La première vidéo d'écoute des enceintes avec une playlist. Et là, la deuxième écoute, elle viendra, mais plus tard.
Donc voilà les gars, donc ce que je voulais dire, alors par rapport, c'est vrai j'ai toujours des trucs à vous dire, tout ça, mais c'est... Faut aller vite, faut aller vite, voilà, c'est... Speed, speed. En fait là pour les enceintes, là elles sont posées par terre à même le sol. En fait ce qui se passe, c'est que le ressenti d'écoute, direct à l'oreille, je sens qu'il y a un niveau qui est en bas. Donc c'est-à-dire que là, les enceintes, vu qu'elles sont posées au sol, tu vas avoir plus de grave. Le grave, il va être plus... Tu vas sentir plus les basses fréquences, ce qui est tout à fait normal, parce que quand tu surélèves les enceintes, justement, c'est pour équilibrer le niveau de grave. Donc là, vu qu'elles sont posées au sol, même si elles sont un petit peu découplées légèrement, tu vas quand même avoir le grave qui va être plus prédominant, donc ça peut être plaisant. Mais en termes d'écoute, le son est beaucoup plus plat, donc ça va être moins agressif au niveau du médium, parce que le haut médium, ce que je vous avais dit, le haut médium, des fois, il peut être un petit peu présent sur des enregistrements de piètre qualité ou autre, mais du coup c'est cette présence-là qui va être atténuée du fait de les poser comme ça. Après là je les ai pas orientés vers moi in situ, tu vois comme ça, donc le sweet spot vers moi. Normalement j'aurais dû le faire comme ça, mais vu qu'on a déjà fait les tests au préalable et puis moi par rapport à mon écoute que je les avais faites sur les pieds dédiés artisanaux, je les avais fait de cette sorte-là. C'est pour ça que je les laisse comme ça de en mode droite. Voilà. Je les oriente pas vers moi. Parce que je sais que très bien que si je les oriente vers moi, on aura encore un autre rendu qui sera, selon moi, meilleur. Voilà. Selon moi, meilleur. Mais bon, ça, c'est des tests à faire et encore. Je vous dis, il y a plein de tests à faire. Et si on les faisait tous ces tests-là, ben voilà, il y aurait plein de choses à dire. Franchement, il y aurait plein de choses à dire. Et je pourrais vous les décortiquer au millimètre près, la sonorité des enceintes. Je pourrais vous le décortiquer de fond en comble, mais malheureusement j'ai pas beaucoup de temps. Donc voilà les gars. Pareil pour les bouchons. Les bouchons là, les bouchons des vents. Je vous ferai les écoutes avec si c'est faisable. Si c'est faisable, j'en sais rien si je pourrais le faire. Mais bon, voilà, en tout cas le temps il est compté et malheureusement c'est comme ça. Donc voilà les amis. Je vous fais les petites écoutes rapidement. Il est déjà 18h. Je ne vais pas laisser trop ma petite famille dehors longtemps. Donc on va faire 10 minutes, un quart d'heure d'écoute avec des musiques et voilà. Allez, c'est parti. Hop. Tac. Go. Toujours sur mon ensemble Kenwood. Direct, le son est comparé à tout à l'heure. Il y a certes moins, pour moi il y a moins de précision, mais c'est beaucoup plus voilà, c'est plus cool, plus tranquille. Le grave il descend bien. Dès que tu poses les enceintes à même le sol, t'as plus de grave. C'est inévitable. La partie médium est moins mise en avant finalement. C'est particulier. Quand tu fermes les yeux, tu sens que le son il vient d'en bas en fait. C'est ça le problème. On est plus dans une écoute moderne. Quand tu les mets par terre. Thank you.
bonne précision, mais par contre, t'as une certaine fluidité qui s'amène, dans le sens où voilà, t'as moins de précision, mais plus fluide. Bon, c'est agréable, mais bon. Le problème, c'est que t'arrives à situer les enceintes et la hauteur des enceintes, c'est ça le problème. Quand tu fermes les yeux comme ça, t'as une belle assise du grave, mais sur la hauteur, tu sens les différences. C'est intéressant hein, quand même, c'est intéressant comme système d'écoute aussi. T'as la réverb aussi du carrelage, malheureusement. T'as la réverb du carrelage, tu la sens. Tu sens le grave qui traîne un petit peu derrière. Ne mettez pas ces enceintes-là sur du carrelage, les gars, je vous le conseille vraiment. C'est un sacrilège. Tu peux les mettre dans ces conditions-là sur de la moquette. Ou alors si t'as un sol qui est vraiment non réverbérant. C'est important ce que je vous dis là parce que, en fait, toute cette alchimie, ça joue avec la pièce que tu vas avoir en fait. Et c'est super important. C'est très important puisque la pièce, elle fait une grosse partie de la sonorité. Donc là, en l'occurrence, si tu as du carrelage, les XLS15 ne les posent pas même le sol. Clairement. Enfin, voilà, après c'est mon avis. Ça regarde que moi, je vous transmets mon avis. Mais là, ça peut être pas mal, on va voir. On va les pousser un petit peu dans l'air, franchement. Gagne à plus de vélocité, tu vois. Alors certes il va y avoir plus de grave, mais ça va être moins précis que sur les pieds. T'as vu, c'est ouf. Je trouve plus brouillon. Il me plaît vraiment moins que sur les pieds. Ça sent l'électronique. C'est que là tout est
est vraiment plus c'est beaucoup plus light en termes de son. Voilà, t'as le haut médium qui pouvait être des fois un petit peu dérangeant. Voilà, il passe mieux même sur des enregistrements qui vont être moins bons ou quoi. Là, c'est moins chirurgical, mais du coup, l'écoute, elle se fait plus facilement. J'ai envie de te dire, mais ça change rien au fait que moi, j'aime bien l'écoute comme j'avais sur les pieds. Voilà, c'est ça ne change rien là-dessus. On va changer vite fait de son. Non, en même temps, j'ai mangé différentes écoutes. Entre l'Amplium Cinéma, les enceintes sur les pieds, les enceintes avec le comparatif avec les Prestige 24F, j'ai mangé à toutes les sauces là. Là c'est ouf, en peu de temps. Donc, comme vous savez, l'oreille humaine se souvient difficilement de tout ce qu'il peut y avoir à l'instant T. Donc c'est un travail, hein. Je vous dis, ça se fait pas clac. Claquement de doigts, tu peux différencier tout comme ça d'un coup. P24F, je vais les remettre et tu vas voir la différence juste sur l'écoute au niveau de la hauteur. Parce que là tout à l'heure je vous fais écouter le son au niveau de la hauteur de mes oreilles, même si c'est un petit peu en dessous, mais vous allez voir qu'est-ce que ça va donner la différence quand la hauteur d'écoute elle est différente. I got you.
Bah les gars, je vous dis à chaud, à chaud. Il y a un petit côté brouillon dans le bas du spectre. C'est inéluctable. Par contre, au niveau du médium aigu, il y a un petit lissage qui se fait. Qui fait que c'est... On va dire c'est moins définitif. Défini que quand tu les mets sur les pieds, comme les écoutes d'avant. Tu vas avoir moins avoir ce côté chirurgie, quoi. Chirurgie qui va être très précis dans l'analyse totale. Là, ça va être plus, plus soft. Plus cool, donc donc en fait c'est après ça va dépendre de ça dépendra aussi de ton ampli, l'ampli que tu vas leur mettre derrière. Si c'est un ampli qui est un peu trop sec, trop péchu, si ça va être un ampli qui va avoir trop de basse, tu vas pouvoir modeler ça par rapport aux enceintes, sachant qu'il y a déjà des petits réglages. Et d'ailleurs je tiens à dire quelque chose les gars avant de finir sur cette petite vidéo. Je tiens à dire que, en fait, quand j'ai discuté avec Philippe Pena par mail, on a discuté un petit peu, tu vois, mais on s'est parlé avec passion. Même si c'est pour l'instant, tu vois, c'est pour ça que je te dis que j'ai envie de rencontrer cette personne-là, parce que je vois que c'est une personne passionnée et qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes qu'il va dire. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il est dans le métier, je pense. Mais dans sa philosophie, ce que j'aime bien. C'est qu'il m'a dit, alors il m'a dit une chose, parce que, donc il a vu ma vidéo quand moi j'ai parlé du médium, du réglage du médium et de l'aigu, où justement c'est des choses qui sont très subtilement audibles à l'écoute. Et en fait il m'a dit, c'est comme dans un plat, quand un plat il est bon, il n'y a pas besoin de rajouter d'épices, du sel ou du poivre, enfin il n'y a pas besoin de rajouter des choses. Et justement ça c'est ces petites choses subtiles qui vont faire que par rapport à ta pièce, les réglages en question, tu vas apporter un petit peu de choses si ta pièce elle est claire, si ta pièce elle est mate, ça va donner des petites différences. Même si c'est pas audible sur le coup, comme ça c'est pas flagrant, mais en tout cas ce sera la petite nuance. Voilà, donc ça, cette phrase là en fait, quand il m'a dit ça, je me suis dit mais c'est exactement ça c'est un truc qui m'a plu. Et c'est la e-philosophie que moi j'ai, voilà, dans la e-phi, c'est quelque chose que j'arrive bien à voir, à décrypter, et d'ailleurs ça m'a charmé, franchement je vous cache pas les gars, ça m'a charmé et je me suis dit ouais, là c'est, il a touché le cœur, donc voilà les gars, voilà, non franchement c'est important, tu vois, toutes ces choses-là, toutes ces nuances, à entendre, à écouter, à développer, parce que franchement quand je vous dis que dans l'IFI il y a tellement de choses à voir, c'est pas pour rien, il y a tellement de choses qui partent d'un noyau et ça part sur plusieurs autres points tout autour et ainsi de suite. T'as une sphère et autour t'as des satellites, tac 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 tac, et c'est comme ça dans l'IFI en fait. Donc c'est complètement ouf. Enfin voilà, j'ai tellement de choses à vous dire, à faire des essais, à vous dévoiler, ouais, il y a plein de choses comme ça. Voilà, donc en tout cas, on parlera jamais de tarifs, parce que tout ce qui est tarifaire avec les enceintes, maintenant, j'ai bien compris que c'était un peu... Il faut pas trop en parler, toi, tout ce qui est tarifs des enceintes, que ce soit dans le vintage ou quoi, machin. À un moment donné, je voulais même vous faire une vidéo sur les bons coups à faire, sur le matériel qui va prendre en valeur, le matériel qui va, où il va y avoir des envolées, et du coup je l'ai pas fait parce que je me suis dit je vais partir dans un truc où du coup ça va pas le faire parce que du coup ça va mettre en défaut beaucoup de choses, donc c'est pour ça que je l'ai pas fait. Mais en tout cas j'ai vraiment hâte de vous refaire d'autres vidéos avec d'autres sujets qui traitent sur l'amplification, sur les caractéristiques des amplis, sur les enceintes, notamment sur les différents composants que peut embarquer une enceinte, la structure de ces composants, que ce soit de la fibre, du Kevlar, du carbone, de l'aluminium, toutes ces choses-là, ça rentre en compte aussi dans l'écoute des enceintes. Et en fait, le but, c'est vraiment de vous apporter des choses qu'on ne parle pas dans la vie courante de l'AIFI.
Voilà, c'est pour ça que là, tu vois que je suis vraiment quelqu'un qui est à fond dans la hi-fi, mais je suis aussi bien, je peux être centré dans un truc, mais que je suis vraiment très ouvert par rapport à tout ce qui en découle tout autour. C'est-à-dire que, bah, tu vois, musicalement, tu me vois écouter du rap US, du hip-hop, de la West Coast, de la G-Funk, chose que les audiophiles en général, ils n'écoutent pas, malheureusement. Et ce qui me permet d'être très, d'avoir un large éventail de connaissances. Et justement, voilà, c'est ce qui fait un peu ma force, voilà. Donc voilà les gars, donc sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une très bonne soirée, prenez soin de vous, je vous dis à très vite, j'ai hâte de vous retrouver pour de nouvelles vidéos et sachez que j'ai toujours un énorme plaisir à vous faire ces petites vidéos, voilà, c'est un kiff total et j'en suis très très heureux, c'est même une escapade pour moi, voilà, dans autre chose que le travail, tout ça, que les soucis du quotidien. Si je puis dire, parce que vous savez très bien que la vie en ce moment n'est pas forcément facile pour tout le monde. Donc voilà les amis. Donc je vous embrasse et prenez soin de vous, baby. Ciao.